Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fanzone. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Yuzu avec Émilie. Bonjour, je suis Émilie Dolly, je suis la cofondatrice de Yuzu. Yuzu, c'est une start-up qui crée des réseaux de cross-selling entre enseignes. Notre mission, c'est de faire circuler de manière pertinente et intelligente les shoppers entre enseignes en se basant sur leur historique d'achat, leur comportement de consommation et ce que l'on va connaître de leurs besoins pour leur proposer à chaque moment de leur parcours d'achat l'offre de la meilleure enseigne qui va le convertir en acheteur. Un parcours typique d'un shopper sur un réseau Yuzu, c'est par exemple, j'ai effectué mon achat chez Boulanger, je découvre sur la page de confirmation de commande mon offre de 20 euros. Pour en profiter, je renseigne mon email et mon nom et je reçois mon code personnel directement. Là, je découvre les conditions de l'offre. Je dois acheter dans deux enseignes, en ligne ou en magasin. Donc, je vais immédiatement faire un achat chez Cultura. Quelques jours plus tard, je vais chercher mon produit dans le magasin de Wascal chez Boulanger. Et là, je vois l'enseigne tape à l'œil juste en face. Je sais qu'ils sont partenaires. J'en profite pour faire mon deuxième achat. Ensuite, il ne me reste plus qu'à renseigner le formulaire de demande de remboursement en ligne sur le site de My Shopping Club. Je fournis mes preuves d'achat, le ticket de caisse dans le cas de tape à l'œil et la confirmation de commande dans le cas de Cultura. Quelques jours plus tard, je reçois mon remboursement directement sur mon compte bancaire. Le point central qui guide notre action chez Yuzu et qui guide les solutions qu'on va proposer aux enseignes, c'est vraiment quelle est l'expérience qu'on va proposer aux shoppers. Notre objectif, c'est vraiment de se centrer sur l'expérience d'achat de l'utilisateur et qu'est-ce qu'on va lui proposer pour la rendre plus agréable et plus ludique. En résumé, Yuzu mutualise la data des enseignes pour offrir une expérience cross-enseigne et cross-canal personnalisée à chaque client. J'espère que cet épisode de Fanzone vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine.